Ça y est, on est le 1er mars. Ça y est, la Tare Hogwarts ouvre officiellement ses portes. Et si je vous tourne cette vidéo, c'est pour vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Je vous ai teasé il y a plusieurs jours de ça, la Tare Hogwarts, ça y est, ouvre ses portes. C'est le fruit de très longs mois de réflexion, de prise de tête aussi, et de chamaillerie avec la direction de Poudlard, mais j'ai eu gain de cause. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce que c'est que la Tare Hogwarts, qu'est-ce que vous pouvez attendre comme contenu, où vous pourrez trouver la Tare Hogwarts, à qui ça convient, combien de temps ça dure, enfin bref, un petit peu toutes les informations pratiques et logistiques pour pouvoir eh bien, profiter de ce contenu à sa juste valeur. La Tare Hogwarts est née de mon envie de vous fournir le résultat de mes études approfondies, de choses que je creuse depuis plusieurs mois, voire on peut parler en années maintenant, au sujet du lien qui existe entre la tarologie d'une part et l'univers créé par J.K. Rowling, à savoir Harry Potter dans son intégralité. Si vous me connaissez depuis longtemps, Harry Potter c'est vraiment quelque chose qui m'a littéralement construit en tant qu'adulte aujourd'hui. C'est une saga qui est présente depuis le tout début de sa sortie pour moi dans ma vie et qui m'a vraiment aidée à me construire et à avancer et à me confronter aussi à certaines thématiques de la vie. Et c'est vraiment devenu limite, là maintenant, mon livre sacré, celui que j'étudie avec beaucoup de soin. J'ai déjà parlé ci et là du lien entre la tarologie et le monde d'Harry Potter. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup d'entre vous, pas tout le monde bien sûr, ça je peux le comprendre. Et j'avais vraiment envie du coup de vous fournir ce contenu de manière un petit peu distincte pour que celles et ceux qui n'en aient pas envie, qui n'aient pas envie du coup d'intégrer la Tare Hogwarts ou d'étudier le tarot sous l'angle de Poudlard, eh bien puissent avoir le choix de ne pas l'intégrer tout simplement. D'autre part, c'est une foule de contenus que j'ai en tête depuis des mois, que je ne savais pas comment vous fournir parce que c'est pas évident quand on a plein de contenus comme ça à vouloir donner, qu'on n'a pas le temps de le faire tout le temps et surtout que ça demande vraiment une grosse dose d'investissement, une grosse dose d'énergie. Et donc pour moi, vraiment ce qui m'a paru idéal, c'était de vous faire participer à une plateforme de mécénat de type Patreon ou Tipeee. J'ai choisi Patreon et du coup je vais vous expliquer ce à quoi vous pouvez vous attendre. Patreon c'est donc une plateforme où vous pouvez vous abonner mensuellement au contenu d'un créateur en particulier pour le soutenir et ça fait que vous avez droit à du contenu complètement exclusif que vous ne trouvez nulle part ailleurs, que vous faites partie d'une plus petite communauté au sein de la grande communauté du créateur et eh bien c'est assez fun en fait parce que d'une part je peux vous fournir du contenu que vous attendez et que vous appréciez et avoir une rémunération en échange qui me permet de continuer à vous créer tout ça tout en étant sûr de pouvoir m'acheter du pain. La Tare Hogwarts, c'est donc une partie qui sera présente sur Patreon, c'est là que le gros de l'aventure se passe. Une partie aussi que vous pourrez retrouver sur mon site internet lunaison.com et une partie aussi qui se déroule sur Instagram. Je vais donc commencer par Patreon en vous expliquant le contenu en fait de chacun des menus que je vous ai concoctés, donc des tiers, ça s'appelle des tiers sur Patreon, pour que vous puissiez comprendre ce que vous pouvez vous attendre à recevoir en fonction des dons que vous donnez. Je prends mon petit copion, c'est-à-dire mon téléphone, parce que c'est pas encore tout à fait rentré dans mon esprit. Le premier menu s'appelle Magicien. Vous l'aurez compris, vous donnerez 1€ par mois pour ce menu, ou si vous n'avez pas envie de faire la conversion en euros, vous pouvez donner 2 mornilles et 10 noises. Dans le menu Magicien, c'est un don libre en fait, c'est un don que vous faites chaque mois, avec possibilité évidemment d'arrêter à tout moment votre abonnement. C'est un don que vous faites chaque mois pour me soutenir dans tout ce que je vous propose gratuitement sur Instagram et sur YouTube depuis déjà un petit temps. mais donc vous n'avez rien de concret en retour si ce n'est que ma gratitude. Le deuxième menu s'appelle l'Impératrice. 7 mornies et 3 noises, ou 3€ par mois tout simplement. Et là vous recevrez en chaque début de mois, le premier du mois, une guidance pour le mois réalisée avec mon joli tarot Harry Potter que vous connaissez bien sûr si vous êtes déjà abonné à la chaîne depuis un petit temps. Donc une guidance pour le mois, pour l'ensemble des participants sous format PDF. Ça fera 2-3 pages, etc. Ça dépend un petit peu de l'inspiration du moment. Mais c'est une petite guidance globale
vraiment collective pour avancer sereinement dans la Tarot Wards durant le mois. Le troisième menu s'appelle Hiérophante. Il coûte 11 mornies et 24 noises ou 5 euros par mois. Et donc là, vous avez accès à la guidance du tiers précédent, donc de l'impératrice, vous avez accès à la guidance. Et en plus, vous avez l'accès à un podcast où je vais résumer un chapitre de Harry Potter à l'aide des cartes de tarot, où je vais exploiter en fait un chapitre dans un podcast où je vais faire des liens entre les personnages, entre les situations, entre les symboliques et le tarot. C'est donc un menu assez chronologique puisque je vais commencer ce mois de mars avec le premier chapitre du premier tome. Bien évidemment, si vous avez envie de suivre comme un feuilleton ces petits podcasts, c'est mieux de suivre dès le départ. Mais ça sera, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, possible quand même de vous procurer les épisodes précédents d'une certaine façon. Je vous en parle après. Le menu suivant s'appelle l'ermite. Il coûte 1 galion, 6 mornies et 20 noises, ou 9 euros tout simplement. Donc là vous avez encore une fois accès au contenu des tiers précédents, donc la guidance plus le podcast. Et en plus vous avez l'accès à une séance de pathworking. Donc c'est un voyage en fait au cœur d'une carte de tarot, grâce au tarot Harry Potter ou pas, ça va dépendre vraiment de la thématique du mois là pour le coup, mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de méditation. Donc le pathworking, si vous ne savez pas ce que c'est vraiment considérer que la carte de tarot est un portail, et rentrer dans la carte sous une méditation guidée. Si vous avez mon programme tarot lunaire, vous avez déjà eu un aperçu de ce que je... perçoit comme étant le pathworking, sauf que là on aura tous la même carte à l'écran, donc là ça sera sous format vidéo et on pourra vraiment se plonger dans la carte et en retirer un certain bénéfice. Ça sera toujours en fonction d'une thématique sur le mois. Autant les deux tiers précédents n'ont pas de thématique attribuée, c'est-à-dire c'est une guidance plus un podcast sur un chapitre, donc là il n'y a pas de thématique, autant les tiers suivants sont vraiment ciblés sur un thème. Le menu suivant s'appelle Tempérance, il coûte 1 galion, 16 mornies et 5 noises ou 14 euros. Encore une fois, vous avez accès au contenu des tiers précédents, la guidance, le podcast qui résume le chapitre de Harry Potter, la vidéo de pathworking, et en plus vous aurez l'accès à une vidéo exclusive pédagogique en lien avec la thématique du mois. Alors là ça peut être extrêmement varié, mais c'est là je pense que le cœur se situe dans la Tarot Wards. C'est là le contenu vraiment super intéressant que j'ai envie de vous donner. Ça peut être des vidéos où on va exploiter des symboliques de Poudlard en lien avec le tarot. Ça peut être des vidéos où je vais étudier un tarot de manière approfondie avec vous en live, avec un lien avec une thématique principale, avec la thématique principale du mois. Ça peut être un tas de trucs en fait. Il y aura toujours un lien avec le tarot, il y aura toujours un lien avec Poudlard, mais ça sera très varié pour le coup en fonction de l'inspiration, en fonction de la thématique, en fonction de ce que j'ai envie de vous donner. La durée sera variable aussi, j'aurai aucune idée de la durée de ce que ça pourrait être, mais je me n'ai aucune limite. Si ça doit durer 1h30, ça durera 1h30. Le dernier menu s'appelle Au-delà du monde, il est le plus cher, il coûte 3 galions, 8 mornies et 7 noises, il vous coûte 25 euros. Vous avez accès à l'ensemble du contenu que je viens de vous dire, mais en plus, vous avez droit à une guidance personnelle, à un tirage rien que pour vous, au format vidéo, envoyé du coup par mail directement pour vous, avec le tirage que j'aurai concocté pour le mois. En lien avec la thématique du mois. Donc vous aurez chaque mois, du coup, si vous décidez de faire partie de ces patrons-là, un tirage de ma part qui arrive directement chez vous. C'est intéressant parce que clairement, pour 25 euros, vous avez accès à l'ensemble du contenu plus un tirage, alors que le tirage sera bien sûr disponible sur ma boutique lunaison.com pour celles et ceux qui n'ont pas envie de se lancer sur Patreon, mais à un tarif bien évidemment plus important. Pour les places au-delà du monde, elles sont très réservées. Il n'y a que 5 places parce que vous comprenez bien que, en plus de mon travail pour la Tarot Wards, j'ai du travail pour les autres tirages et du travail pour les autres contenus que j'ai envie de continuer à fournir. Donc c'est pas possible pour moi de fournir plus de places que ça. Peut-être en fonction de l'organisation qu'il y aura plus de places qui se libéreront dans le futur, mais en tout cas dans un premier temps, 5 petites places pour les guidances personnalisées avec moi. En ce qui concerne Patreon, vous vous abonnez à n'importe quel moment dans le courant du mois. Imaginons que vous vous abonnez le 1er mars, vous avez accès au contenu de mars, mais si vous vous abonnez le 28 mars, vous avez toujours accès au contenu de mars.
La chose que vous devrez faire une fois inscrit sur Patreon, c'est de télécharger absolument tout le contenu, donc de faire des copies des liens. Je vous ferai de toute façon un document chaque mois récapitulatif avec les liens pour que vous puissiez ne serait-ce que télécharger ce document et avoir toujours les liens pour vous, parce que le mois d'après, tout le contenu est effacé au fur et à mesure, parce que clairement, ceux qui vont s'inscrire au mois d'avril ne se seront pas inscrits au mois de mars et n'auront donc pas l'accès à ce qui a été donné au mois de mars. Donc, imaginons que même si vous arrivez ici, coucou, le 28 mars, et que vous avez envie d'avoir accès au contenu du mois de mars, pas de souci, vous pouvez vous abonner le 28 mars, vous téléchargez tout, vous gardez ça près de vous, et vous avez accès au contenu. Imaginons aussi qu'il n'y ait qu'un thème qui vous intéresse, là, imaginons que, ben là, par exemple, au mois de mars, la thématique, c'est la botanique. Si la botanique vous intéresse, eh bien, vous pouvez juste vous inscrire pour le mois de mars. Vous désinscrire avant la fin du mois, ça, c'est absolument indispensable, sinon vous serez redébité pour le mois d'après. Mais vous pouvez vous désabonner avant le début du mois suivant et vous n'aurez l'accès qu'à ce mois-là de contenu sans aucun problème. Le contenu qui est sur Patreon sera exclusif, c'est-à-dire que je ne mettrai jamais ce contenu en vente sur mon site internet. Jamais. Par contre, imaginons que vous arrivez ici 6 mois plus tard. Donc, vous êtes en décembre 2020, coucou les petits Tarogwarts étudiants du futur, et que vous avez envie d'avoir accès à tout le contenu depuis le début malgré tout, eh bien je pense que dans le futur je mettrai en ligne un menu spécial, un tier spécial, plus cher du coup, qui fera une moyenne et qui vous donnera l'accès à tout le contenu des 6 mois précédents. À mon avis, je fonctionnerai un peu comme ça, je ne sais pas encore. C'est pas encore de toute façon à l'ordre du jour, donc voilà, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Il faut être majeur pour vous inscrire à Patreon, ça c'est hyper important, je préfère le signaler. Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas vous abonner mensuellement à ce service. Sur Patreon, c'est donc là que tout se joue, mais malgré tout, si vous n'avez pas envie, et je le comprends, d'avoir accès à ce genre de contenu, mais que vous avez quand même envie d'avoir un petit orteil dans l'aventure, il y a les deux autres options qui peuvent éventuellement vous intéresser. Il y a la Tarot Quartz qui sera présente sur le site internet lunaison.com et aussi sur Instagram. Sur le site lunaison.com, c'est une partie de l'atelier, de la boutique, qui sera dédiée à la Tarot Quartz. Donc, si vous allez dans l'onglet l'atelier de lunaison.com, vous aurez tout dans la barre d'infos. Vous pouvez avoir accès à un onglet Tarot Quartz avec en vente certaines choses qui ne sont pas sur Patreon, donc qui sont aussi un peu exclusives entre guillemets sur ce site internet, où vous aurez des tirages. Vous pourrez vous commander des tirages en lien avec les thématiques si les tirages à thème Harry Potter vous intéressent, et il y aura probablement des mini e-books, des mini séries aussi que vous pourrez acheter. Et bien sûr, les Patreons auront chaque mois un code promo pour pouvoir s'acheter un produit de la gamme sur la Tarot Quartz, en fait, chaque mois, si jamais le produit leur intéresse. Si par exemple vous avez quand même envie d'avoir le tirage qui est proposé sur Patreon dans le tiers au-delà du monde, et que vous n'avez pas pu vous inscrire dans ce menu là parce qu'il est limité, bon, même si ça sera pas aussi intéressant que 25€ par mois, ça sera quand même un petit bonus puisque vous me suivez sur Patreon. Donc les Patreons auront un code promo à valoir sur les produits de la Tarot Quartz une fois par mois. Donc sur le site internet, c'est un peu plus limité, c'est vraiment, je vais pas communiquer énormément là-dessus, c'est vraiment juste des produits qui seront là ponctuellement, qui resteront là ad aeternam, hein, je pense, mais qui viendront progressivement nourrir la Tarot Quartz sur l'atelier. Et il y a également une version de la Tarot Quartz sur Instagram, et celle-là vous la connaissez déjà, puisque sur Instagram, en fonction de certaines thématiques, pas chaque mois évidemment, mais en fonction de certaines thématiques, il y aura des challenges gratuits que j'adore organiser sur la thématique d'Harry Potter. On en a déjà fait un en décembre, je vous ai posté une vidéo juste avant qui vous présente le challenge botanique qui débute le 2 mars, donc j'ai trop hâte. Mais donc il y a évidemment une contrepartie complètement gratuite sur Instagram, disponible à tout le monde, avec juste une bonne dose de fun, et voilà. Donc ça me tient vraiment à cœur que vous puissiez aussi avoir une partie de contenu gratuitement. Il y a malgré tout quelque chose que j'ai envie de repréciser par rapport à Patreon, c'est que il est possible que pendant un mois je n'ai pas la possibilité de vous fournir du contenu. Imaginons que le mois de juin est, je sais pas, je suis malade, je sais vraiment rien faire, je sais rien vous proposer. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas débité pour le mois de juin, parce que il y a une
possibilité de mettre le Patreon en pause. Vous n'êtes pas débité pour le mois de juin. Par contre, si vous êtes nouveau, que vous arrivez au mois de juin et que vous vous inscrivez au mois de juin, vous aurez accès au contenu du mois d'avril, du mois de mai, du mois précédent. Donc le contenu du coup du mois précédent reste accessible plus longtemps. Si jamais. Je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a un peu rassurée parce que fournir du contenu mensuel, c'est quand même une petite pression sur les épaules. Et en sachant ça, je me suis dit, bon ben d'accord, si vraiment, vraiment, il y a un mois où je me sens pas capable ou alors je pars à l'autre bout du monde parce que j'ai besoin de vacances, c'est possible, mais vous serez de toute façon prévenus sans aucun problème. Celles et ceux qui n'ont pas du tout envie de participer à l'aventure, eh bien aucun problème, je continuerai mes vidéos sur YouTube, je continuerai à vous fournir du contenu qui n'a absolument rien à voir avec Poudlard parce que ça me plaît aussi. J'ai un nouveau programme en conception là qui va sortir dans les prochains mois. J'ai d'autres projets super chouettes qui ne touchent pas du tout à l'univers d'Harry Potter. J'espère de cette façon là faire plaisir à tout le monde. En tout cas, ça me fait plaisir à moi, donc c'est le principal. La Tarot Guard, c'est aussi quelque chose qui est ouvert à tout le monde, que vous soyez débutant ou pas dans le tarot, c'est ouvert à tout le monde. La guidance, bah, ça vous donne une espèce de piste à suivre pendant le mois. Les podcasts de résumé de chapitre avec les cartes de tarot, bah, ça va vous donner des pistes pour agrémenter un petit peu la signification des cartes, ce que vous connaissez déjà des cartes. Et même si vous êtes complètement débutant, je vous assure que ça va vous aider, vraiment. Le pathworking, encore plus, vous allez vraiment déterminer, trouver certains détails, avoir certains messages avec les cartes. Donc c'est vraiment tout est fait pour tout le monde. Alors évidemment, si vous avez zéro notion de tarot, peut-être qu'il va falloir vous accrocher un peu au début parce que c'est pas non plus une initiation au tarot que je fournis, mais c'est possible, complètement possible de s'en sortir. Il n'y a pas d'oracle, zéro oracle, c'est que du tarot, ça s'appelle Tarot Guards. Ça me paraît clair, mais bon, je préfère le préciser. Autre chose aussi, tant que j'y pense, vous voyez, c'est pas du tout structuré, c'est comme d'habitude, je structure jamais mes vidéos. Le contenu sur Patreon ne va pas arriver massivement le premier du mois. C'est-à-dire que le premier du mois, vous aurez la guidance. Ça c'est sûr et certain parce qu'il vous la faut pour le reste du mois. Le reste du contenu arrivera progressivement dans le mois au fur et à mesure de l'avancement de mon travail. Mais alors a priori ce serait un contenu par semaine maximum. Si j'arrive à tout faire début de mois, vous avez tout début de mois. Mais voilà, c'est assez aléatoire. Ça dépendra évidemment de mon rythme de travail et de mon énergie. Merci à tous pour votre enthousiasme. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir intégrer le projet. Bienvenue. Bienvenue à tous les étudiants de la Tarot Guards. Si vous saviez comme ça me fait plaisir de cocher professeur de tarologie à Poudlard sur la liste de mes objectifs de 2020. Je suis trop contente. Je vous dis à très très vite. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Le lien vers le Patreon, le lien vers la Tarot Guards sur mon site internet, mon Instagram, tout ce que vous voulez. Le lien vers les vidéos de botanique pour le challenge qui s'en vient. J'espère vous voir nombreux. Partagez autour de vous et merci. Encore d'être là avec moi. Salut !